au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, on va entrer dans une autre phase très importante. Bien-aimé, tu as prié, tu as intercédé, tu as loué le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde va se tenir debout et se disposer. Et on va commencer à adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il siège dans la louange et dans l'adoration. Bien-aimé, tu vas commencer maintenant à parler à ton Dieu. Commence à te disposer et commence à parler à Dieu. Commence à parler à ton Dieu, bien-aimé. Commence à parler à ton Dieu. Il était présent, il t'a écouté. Il était là, il a exaucé tes sujets de prière. Il a été avec toi. Commence à te disposer. Rien ne peut se faire par lui, sans lui. Toute chose se fait par sa grâce. C'est lui qui a permis que nous soyons dans sa présence. Bien-aimé, commence à élever le nom de ton Dieu. Ne regarde pas à cette personne qui arrive devant toi. Parce que maintenant tu cherches la grâce de l'éternité. Mais je te demande de te disposer et de commencer à parler à ton Dieu. En ce jour, dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Dis-lui ce que tu as envie de lui dire. Offre à Dieu un sacrifice. De louange. À travers tes paroles. Offre à Dieu un sacrifice d'adoration. À travers tes paroles. Dis à Dieu qu'il est grand. Dis à Dieu qu'il est saint. Dis à Dieu qu'il est infiniment puissant. Dis à Dieu qu'il est au-dessus de toutes choses. Celui-là qui crée toutes choses par sa parole. Il donne existence à toutes choses par sa parole. S'il ne parle pas, rien ne peut être fait. S'il ne parle pas, rien ne peut être fait. Tout ce qui se fait se fait par sa parole.
aussi le cœur. Dis-lui, Seigneur, quand je regarde mon passé, je comprends que tu es maître de toutes choses. Dis-lui, Seigneur, quand je regarde là où je sens, je comprends que tu es le maître de toutes choses. Il est présent au milieu de nous. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu sois disposé de te lever ta voix, de te lever de ton cœur, et que tu commences à lui parler. Que tu lui dises, c'est toi mon ami fidèle. C'est notre ami fidèle. Pendant que tu lèves la voix, que tu parles à Dieu, il fait descendre sa présence autour de toi. Bien-aimé, c'est ton papa. C'est notre père à nous. Et il ne désire qu'une seule chose. C'est le nous remplir de sa bonté. C'est le nous remplir de son amour. Bien-aimé, ton père ne peut pas t'aimer de la manière qu'il t'aime. Ta mère ne peut pas t'aimer de la manière qu'il t'aime. Seul Jésus peut t'aimer de cette façon. Je suis venu pour te comprendre qu'il est là près de toi. Notre meilleur ami. Il est celui qui est sous ta lame lorsque tu es abattu. Il est près de toi, dis ma fille. Moi je suis ton papa. Et moi je t'aime d'une manière inestimable. Bien l'amour de Dieu n'a point de commencement et point de limite. Dis-lui, papa, je t'aime. Dis-lui, papa, je t'aime. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Bien-aimé, et ta disposition du plus profond de ton cœur. Il va tomber, de casser un chien de but. C'est que tu sens la présence de ton Dieu près de toi. Que tu sens la présence de ton Dieu. Il est comme un père qui a perdu son enfant pendant des années. Et lorsqu'il le retrouve, il est tout heureux. Dis-moi le fond. Viens dans mes bras. Regarde à quel point je t'aime. Regarde à quel point je t'aime. L'amour de Dieu n'est pas une limite. L'amour de Dieu n'est pas de limite. Bien aimé, il y a celui-là qui te frappe. Lorsque tu es seul. Moi je dis au Seigneur, je n'ai pas de famille. Moi je dis au Seigneur, je n'ai personne à qui me confier. Je n'ai pas d'amis à qui parler. Lorsque j'ai des problèmes, à qui est-ce que je vais m'adresser? Et lui il vient. Il te dit, moi, je suis ton fidèle ami. Et c'est moi qui ne t'abandonnerai jamais. Jamais. Bien-aimé, ta famille peut t'abandonner. Mais il y a quelqu'un qu'on ne
est roi des rois et qui est assis sur son trône élevé et qui te tient des creux de ses mains. Et Yohani te dit, c'est moi qui tiens ta vie. C'est moi qui tiens ta vie entre les creux de mes mains. Je tiens ta vie entre les creux de mes mains. Et mon amour pour toi abonde et surabonde. Je suis présent à chaque fois que tu te sens délaissé. Je suis présent à chaque fois que les hommes de ce monde te rejettent. Moi, je suis l'intellection qui n'abandonne jamais. Et je ne te laisse jamais. Je suis celui-là qui t'a retiré de ce monde de perversité pour t'amener dans mon infinie beauté. Parce que mon amour sera bon pour toi. Bien-aimé, c'est notre meilleur ami. C'est notre meilleur ami. Le seul qui ne te trahira jamais. Le seul qui ne t'abandonnera jamais. Dans le problème, dans les difficultés, il ne te laissera pas. Parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas ma personne. Pendant que je te parle, je reçois ma part. Pendant que je te parle, je reçois ma part. Dispose-toi et reçois ta part ce matin. Laisse-le renouveler son amour dans les cœurs. Il va renouveler son amour dans les cœurs. Voici la présence du Dieu vivant. Voici la présence du roi de gloire. Voici la présence de El Shaddai. Voici la présence de l'Alpha et l'Oméga. Voici sa présence. Qui descend près de toi. Et il commence à te parler. Je suis le Dieu qui ne change pas. Je suis le Dieu qui ne change pas. Bien-aimé, il commence à te parler. Il est le Dieu qui ne change pas. Chaque jour, il renouvelle son alliance avec notre vie. Bien-aimé, tu n'as point payé cette grâce d'être dans sa présence. Mais il a regardé sur toute l'étendue de la terre. Et il a pointé son regard sur toi. Et il a pointé son regard sur moi. Bien-aimé, regarde l'amour du Seigneur. À cause de toi et de moi. Il est mort à la croix. Bien-aimé, si tu pouvais comprendre, si tu pouvais ressentir la présence de Dieu. La présence de Dieu. Ne te lasse pas de lui dire ce que tu as sur le cœur. Dis-le, Seigneur, je veux te sentir près de moi. Je veux te sentir bien près de moi. Il ne change plus. Il ne change plus. Il ne change plus. Bien-aimé, tu
tu ne mérites pas la grâce de l'Éternel. Mais si tu es dans sa présence, c'est parce qu'il a voulu. Je le répète encore. Ne regarde pas ma personne. Regarde le roi de gloire. Et pendant que je parle, il fait descendre son amour de ton cœur. Il fait descendre son amour de ton cœur. Son amour nous envahit. Seigneur Jésus-Christ, que ton amour, que ta présence nous envahit. Il a envie de renouveler son alliance avec ta vie. Car c'est à travers son amour que tu as pu arriver dans sa présence. Je dis qu'il est venu. Il est venu renouveler son alliance avec ta vie. Il est le Dieu de toute beauté. Et il ne change pas. Il est assis sur son trône de gloire. Dis-lui qu'il est dit de recevoir toute la gloire. Bien-aimé qui nous sommes, nous voulons. Regarde, bien-aimé, regarde qui tu es, qui je suis devant lui. Nous ne sommes que de poussière. Et aujourd'hui, il fait de nous ses serviteurs et ses serveurs. Il mérite toute la gloire. Il mérite tout l'honneur. Souvent, l'amour de l'homme n'est pas sincère.
ta vie. Il te dit en ce jour qu'il est celui-là qui t'aime. Qu'il est celui-là qui t'aime. Et que chaque fois qu'il te reprend, c'est pour t'amener à ranger ta vie. Qu'elle te veut au ciel avec lui afin de continuer l'adoration. Chaque fois qu'il nous reprend, c'est parce qu'il nous aime. Il est rempli d'amour, ce Dieu. Si quelqu'un a des oreilles d'esprit, qu'il entende ce que l'esprit dit. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, si tu prends l'homme pour ton meilleur ami, si tu prends l'homme pour ton postulateur, tu seras déçu. Mais il y a un seul ami qui t'aime. Il y a un seul postulateur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Regarde sa main de puissance sur ton cœur. 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 Il commence à renouveler. Là, le cœur s'est abattu. Il te demande qu'il est le Dieu qui demeure le même. Il te demande en ce jour que peu importe les difficultés, il sera là. Je dis, sens la présence de ton Dieu au plus profond de ton cœur. Quand ce jour renouvelle son alliance. Quand ce jour renouvelle son alliance. Son amour n'a point de limite pour ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. L'unique qui est en train de descendre, c'est lui qui renouvelle l'amour de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas abandonner ta famille. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas abandonner ta famille. Et il te dit en ce jour, je suis venu de manière douce et de manière amour renouveler mon alliance sur ta vie. Je renouvelle mon alliance sur la vie et ma puissance qui descend dans les cœurs. C'est cette puissance qui te donne un amour. Et cet amour, c'est la folie du Seigneur. Il va t'appeler. Oh, il va t'appeler. Il va te dire que tu es fou. Et toi, tu vas répondre. C'est la folie du Seigneur. Parce que dans mon cœur, il y a un amour qui brûle pour le Seigneur. Je dis cette puissance qui descend dans les cœurs. Il est en train de renouveler les cœurs. Tu ne peux pas tout sacrifier. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas tout sacrifier. Regarde. Regarde. Toutes les personnes qui ont cette maison, qui ont cette voiture, qui n'ont pas la paix que nous avons.
personne. C'est l'onction qui renouvelle l'amour de Dieu. Bien-aimé, si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas tout appeler dans les boulots. Ah!
Jésus, voici ton peuple. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne de majesté. Il est digne. Il est digne. Bien-aimé, je dis les tombes. Et il s'approche de toi. Et pendant qu'il s'approche de toi, tu sors. C'est ta voix douce. Je ne change pas. Je ne change pas. Et que je suis venu en ce jour, te montrer ma puissance. Et que je suis venu en ce jour, relever mon notion sur vos vies. Parce que j'ai dit, Seigneur, de décoller en change de dimension. Jésus, en change de dimension. Change de mention. Je vais l'aide. Je vais l'aide. L'aide de l'éternel. Qui est en train de souveler sur la salle. Je dis, je vais l'aide de l'éternel. Qui est en train de souveler dessus de la salle. Je dis, il est en train de souveler. Et pas merci qui dit pas. Je vois la lumière.
de la salle. Sa lumière s'agrandit. Ah. Et c'est la représentation de sa toute puissance. C'est la représentation de sa toute présence. Des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Je dis, j'entends de mon esprit. Vases d'honneur. J'entends de mon esprit. Vases d'honneur. J'entends de mon esprit. Vases d'honneur. Il est temps que vous deveniez des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Tout ce qu'on avait négligé, les gens se demandaient quelle est sa grâce. Il a appelé à quoi? Il ne fait qu'à ne suivre que les autres. Il est le Dieu qui confond les sages. Je dis qu'il est le Dieu qui confond les sages. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps que vous devenez des vases d'honneur. Je dis, ça ne rate personne. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Ah. Tu vas le regard des gens. Les gens te regardaient. Lorsque tu donnais une révélation, on te regardait. Mais lui, c'est quelle révélation il a reçu? Il a appelé à quoi? C'est quoi son ministère? Il a quelle grâce? Il n'a même pas le temps de vision. Les gens doivent se négliger. Je dis, j'entends de mon esprit. Vase d'honneur. Il y a des vases qu'on ne présente pas à toute occasion. Mais il y a des vases d'honneur spéciales, cachées, réservées, qui sortent les moments spéciaux. Et le temps est venu que tu sortes. Vase d'honneur. J'entends qu'il y a un moment dans mon esprit. Vase d'honneur. Vase d'honneur. Bien aimé, dispose-toi, ne rate pas ta grâce. Vase d'honneur. Il va se manifester. Un tel dimension dans ta vie. Ah. Ça sera fin. Je sens pour lui parler au cœur de quelqu'un. Tu sais que c'est de toi que je parle. Assez. Tu as été négligé. Mais il dit maintenant. Ah. Il va se manifester. Une dimension où les saints ne vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Ils vont se demander. Mais où est-ce qu'il est quitté? Où est-ce qu'il est quitté? On pensait qu'il tombait. On pensait qu'il tombait. Ah. Pourtant, il se préparait. Elle se préparait dans le secret, dans l'intimité. Elle se préparait. Elle se préparait. Hey. Et dit. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Il y a un Dieu qui confond les sages. Il va confondre la sagesse de toutes ces personnes qui se disent grandes. Ah, le temps, ta grâce a été étouffée. Chaque jour, on te dit c'est le réveil. Chaque jour, on te dit c'est le réveil. Mais nous sommes au temps où le Seigneur veut manifester sa puissance à une telle dimension. Hey. Oh. Je dis, dispose-toi juste un peu. Juste un peu. Et reçois ta grâce. J'ai dit le temps que ta grâce commence à sortir. Ils se sont demandé, mais à faire quoi dans l'œuvre de Dieu? C'est quoi ce ministère? Ils t'ont vu en train de parler à la cour de l'église. Ils t'ont vu en train de danser. Ils t'ont vu en train d'attraper les cas. Ils t'ont négligé. Mais le Seigneur dit, tu es un vase d'honneur. Qu'il a pris le temps de cacher. On ne fait pas sortir les choses précieuses aussitôt. Quand tu es précieux, le Seigneur te cache. Il prend le temps.
Tu es une vase d'honneur. Une vase d'honneur. Il dit maintenant, la formation tire à sa fin. Seigneur, de travailler. Il t'a préparé dans le secret. Il a changé ton cœur dans le secret. Il t'a éprouvé dans le secret. Tu jeûnais, tu priais, personne ne savait. Tu ne faisais que prier la grâce de Dieu. Tu disais, Seigneur, je veux seulement faire ta volonté. Est-ce qu'un jour, je pourrais parler de ta part? Et il te disait, attends. C'est pas encore le temps. Il te disait attends. Il te disait attends. Il te disait attends. Car il a pris le temps de te façonner. Il a pris le temps de te préparer. Comme la chine dans la main du potier. Il t'a façonné. Il t'a façonné. Il t'a façonné. Et maintenant, c'est l'heure de sortir. Hey. Il va t'amener dans cette dimension que tu n'aurais jamais pensé acquérir. Il va t'emmener dans cette dimension que tu n'aurais jamais pensé acquérir. Les gens sont basés sur ton caractère pour te juger. Ils se sont basés sur ton caractère. Hey.
lumière de l'éternel sur ton cœur. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Sois béni pour ta parole que tu partages en ce jour. Merci parce que nous croyons que tu as parlé à quelqu'un. Bien-aimé, si tu as senti la présence de ton Dieu, acclame le Dieu Tout-Puissant. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu vivant. Parce qu'il t'a parlé. Il t'a dit ce qu'il avait à te dire. Il t'a touché, il t'a visité. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame-le.